Très heureux de vous recevoir sur ce plateau d'information de la télé Totalement Votre, mesdames et messieurs. Voici le titre. Les autorités maliennes, à travers le ministère des Affaires étrangères, protestent contre la présence des chefs des mouvements armés à Alger. Face à ces actes considérés comme inamicaux, l'ambassadeur de l'Algérie au Mali a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Les détails dans cette édition. Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali n'existe plus. Sa dissolution a été annoncée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation lors du Conseil des ministres. Vous en saurez plus dans cette édition. Organisées pour promouvoir la filière poisson au Mali, les journées de poisson sont ouvertes depuis ce jeudi 21 décembre. À cette occasion, le Premier ministre a assuré les acteurs de la filière de l'institutionnalisation de ces journées. Le développement dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Du 21 au 23 décembre se tient sur les berges du fleuve Niger, au palais de la culture Amadou Ampateba, la deuxième édition des Journées du poisson au Mali. Elles ont pour objectif d'inciter les autorités et les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche, de l'aquaculture en général et de la filière poisson en particulier. Faisons le point avec Awasanogo et Mantala Ouattara. Placée sous le thème « filière poisson, source de création d'emplois, de richesses et de réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle », ces journées ont été initiées par l'interprofession de la filière poisson du Mali et ses partenaires pour promouvoir le sous-secteur de la pêche et l'aquaculture. Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture au Mali, avec une production estimée à plus de 100 000 tonnes, contribue à hauteur de 3,9% du PIB du pays et génère des emplois allant de 500 000 à 1 million, soit 7,2% de la population active. Je voudrais profiter de cette tribune pour demander au gouvernement, dans un souci d'équité, d'augmenter le niveau de subvention des ressources animales et halieutiques à hauteur de 50% à l'image du sous-secteur de l'agriculture. Il est important d'attirer votre attention sur la protection et la préservation des campements de pêche face aux défis de l'urbanisation. Aussi, les acteurs de la filière poisson renouvellent leur demande auprès du gouvernement pour l'institutionnalisation de la journée du poisson au Mali. Le rôle et la place des acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali au développement de l'économie malienne ont été salués par les autorités de notre pays. C'est pourquoi l'assurance a été donnée par le Premier ministre d'institutionnaliser ces journées. Les perspectives nous amènent à croire que le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture permettra dans les années à venir la mise en valeur de l'important potentiel des plans d'eau dont dispose notre pays. Et l'institutionnalisation chaque année de la journée du poisson, ça nous permet de savoir d'une année à l'autre quels sont les problèmes, à quoi nous devons nous attaquer. Parce que le rôle du gouvernement, c'est de fixer les lignes et les grandes orientations et vous laisser vous débrouiller à l'intérieur pour faire prospérer le secteur. Donc vous avez, je crois que le ministre de l'élevage et de la pêche a entendu, ce que les pêcheurs, les éleveurs, les artisans produisent, c'est ce qui se consomme ici même. Donc c'est le premier facteur de développement du pays. À noter que ces journées sont appuyées par le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL Mali. L'ambassadeur de l'Algérie au Mali a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement du Mali dénonce des actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous couvert du processus de la paix au Mali. Bamako reproche à l'Alger de s'injurer dans les affaires intérieures du Mali, avec notamment la réception par le président algérien des personnes hostiles au gouvernement de la transition et des responsables des groupes armés qui ont basculé et dénoncé le gouvernement dans le terrorisme. Le point avec Adam Tangra. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué hier mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Mali. En effet,
Selon le Bureau de l'information et de la presse, le ministre Abdoulaye Diop a exprimé à son homologue algérien une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. Selon la même source, le ministre Abdoulaye Diop a informé le diplomate algérien que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet effet, le ministre a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Selon le Bureau de l'information et de la presse, le ministre Diop a rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité et de confiance mutuelle entre les deux pays pour assurer le rôle de leadership de la médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'aucun développement durable ne pourrait s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Je vous le disais dans le titre, Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali n'existe plus. Sa dissolution a été annoncée ce mercredi 20 décembre par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation lors du Conseil des ministres. Cette décision est motivée, selon le ministre d'État, par des doutes sur le financement de cette organisation. Commentaire Aïssata Diarra. Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la Décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, Observatoire, selon le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la Décentralisation. Depuis sa création, les sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire ne sont pas connus de l'administration en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En outre, le président de cette association s'adonne à des déclarations de nature à troubler l'ordre public, y compris ses pronostics sur le taux de participation au référendum de juin 2023, en violation des prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections, déplore le ministre. Selon lui, ses agissements sont en violation des dispositions de la loi numéro 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations et des dispositions des statuts de la dite association. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a organisé ce jeudi un atelier à l'endroit des organisations de la société civile. Il s'agit, à travers cette rencontre, de renforcer les capacités de celle-ci sur le contenu du rapport 2022 du Bureau du vérificateur général pour une meilleure vulgarisation. C'est ce que nous dit notre reporter Keïta Gabriel. Après la remise officielle du rapport 2022 du Bureau du vérificateur général au président de la transition, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'UCK, organise cet atelier de vulgarisation du contenu du rapport. L'atelier doit permettre aux participants de mieux cerner le contenu du document afin de renforcer leur capacité dans la lutte contre la corruption. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de contribuer au renforcement de capacités de nos OSC partenaires dans l'exercice de leur mandat de protection des droits des femmes et des filles et de lutte contre la corruption, à travers donc la vulgarisation de ce rapport.
Parce que nous sommes partis du constat que beaucoup d'OSC méconnaissent les missions entre les différentes structures de contrôle. Et nous osons croire qu'à travers cet atelier, ces OSC seront à même de mieux alimenter leur action de plaidoyer auprès des autorités administratives et judiciaires. Les participants à cet atelier ont exprimé toute leur satisfaction pour la tenue de cet atelier qui, selon eux, va leur servir dans le combat contre la corruption. Cet atelier est le bienvenu. Les organisations de la société civile, ça les incombe de prendre connaissance du contenu du rapport, de chercher à le comprendre. Et aussi, on a le devoir de le vulgariser, de porter ce rapport à la connaissance du maximum du citoyen. Le bureau du vérificateur général a apprécié cette initiative de l'ICK qui va sans nul doute contribuer aux efforts du BVG dans la lutte contre la corruption. Donc l'objectif de cette rencontre est d'expliquer le contenu du rapport annuel aux organisations de la société civile pour qu'à leur tour, ces organisations de la société civile puissent faire le relais et aller expliquer dans des termes beaucoup plus faciles le contenu du rapport aux autres citoyens et à nos compatriotes maliens. Après cet atelier de Bamako, le projet LUSTEC compte mener plusieurs activités de vulgarisation du contenu du rapport du BVG à travers le pays. À l'initiative du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, 500 jeunes viennent de boucler leur formation sur les techniques électorales. Placée sous le thème « Le rôle du délégué de candidat, du candidat indépendant, d'alliance de partis ou de groupe de partis dans le bureau de vote ». Les participants ont reçu leur attestation ce mercredi 20 décembre à Irimajo en faveur d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Compte rendu, Assidan Diallo, Matela Ouattara. Sur 3000 jeunes bénéficiaires de ces formations, 500 ont reçu symboliquement leur attestation de fin de formation. Les 500 personnes formées savent désormais le sens du vote, les étapes de l'ouverture d'un bureau de vote, les étapes du déroulement du vote, les étapes de la fermeture du bureau de vote, les étapes du dépouillement des résultats de vote, l'élaboration du procès-verbal du résultat de vote, l'élaboration du rapport de mission. Après 3 mois de formation, ces jeunes sont désormais outillés sur les techniques électorales et le rôle du délégué dans le bureau de vote. Ces sessions de formation nous ont permis de savoir que le travail des délégués des partis contribue à donner aux scrutins la transparence, la fiabilité des résultats sortis des urnes. Et du coup, aide les candidats à être mieux outillés pour la bonne gestion du contentieux électoral. Que la présence des délégués dans les bureaux de vote est non seulement un moyen de prévention des fraudes, des irrégularités, mais aussi des crises post-électorales. À travers cette initiative, le Parti pour le développement économique et la solidarité veut que les jeunes s'imprègnent des techniques électorales. Le constat, il est clair, c'est que les partis politiques, souvent, ont des délégués dans des bureaux de vote qui ne savent pas ce qu'est le rôle du délégué dans un bureau de vote. Et nous-mêmes avons été formés par des partenaires à nous, comme le NDI, qu'ils en soient remerciés ici. Donc nous avons décidé à notre tour de former nos militants et nos cadres pour que dans les bureaux de vote, nous ayons des délégués qui comprennent ce que c'est le rôle du délégué dans un bureau de vote. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le PDS de rassurer de sa détermination à multiplier ce genre de formation partout au Mali. D'une formation à une autre, la dernière vague de la session de formation de 100 jeunes sur les techniques de transformation du riz a pris fin ce mercredi 20 décembre 2023. Cette initiative de l'Institut d'économie rurale IER et du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole doit contribuer à la création d'emplois dans le secteur agroalimentaire au Mali. C'est ce que nous dit notre reporter Lemadi Baté. La formation qui s'est déroulée pendant 3 jours a permis aux participants d'acquérir des connaissances et des compétences dans les techniques de transformation du riz. Cette initiative de l'IR et du CORAF vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur agroalimentaire au Mali et contribuer au développement économique du pays. Accompagner une dynamique des jeunes
dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous avez vu, la majorité des participants sont des dames et puis des jeunes hommes. C'est vraiment pour les accompagner, les initier à oser pour pouvoir réussir. Donc, il y a 75 qui ont déjà été formés. Et ça, c'est la dernière vague de formation des jeunes entrepreneurs sur la transformation du riz. Et quand on parle de transformation, le mot qualité est caché. Parce que quand tu transformes et que tu n'ajoutes pas la qualité, personne n'en voudra. Et celui qui ajoute la qualité ajoute forcément de la valeur. Donc cette formation a son sens. Les participants, tout en exprimant leur reconnaissance aux organisateurs de la formation, promettent de mettre en pratique les connaissances acquises durant les 3 jours de formation. On a fait des riz couscous avec des feuilles, des jougas aussi, et puis des biscuits, des gâteaux. Donc j'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. Je les remercie beaucoup parce que je ne savais pas ici au Mali on peut transformer des riz pour faire des couscous, des biscuits et des gâteaux aussi. Mais j'ai beaucoup retenu aujourd'hui. Après cette formation, l'IR et le CORAF ont promis de suivre de très près les jeunes formés et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet. Actualité à l'intérieur du pays. 59 ménages fuyant l'insécurité au centre ont été accueillis et installés par les autorités communales et religieuses de la commune rurale de Téné dans le cercle de Saint. Consciente de la situation précaire, la mission fraternelle luthérienne au Mali, à travers son projet d'appui aux populations déplacées internes du centre au Mali, dans la commune rurale de Téné, a débloqué plus de 12 500 000 francs CFA pour assurer la prise en charge des besoins de ces déplacés internes. L'objectif de ce geste humanitaire est d'offrir un meilleur cadre de vie à ces personnes en situation difficile. Et ma fille Famé Nounawan nous en parle. Ils sont 271 personnes, dont 63 hommes, 73 femmes et 135 enfants à avoir quitté leur localité pour Téné à cause de l'insécurité. Pour leur assurer un meilleur cadre de vie avant leur retour chez eux, la mission fraternelle luthérienne au Mali a investi beaucoup de moyens. Les déplacés viennent de partout. Dans la zone autour de Téné, il y a d'autres qui viennent de Burkina. Les déplacés qui sont venus avec des mines serrées rentrent aujourd'hui avec beaucoup de joie à cause de ce geste de générosité. Et le mot que j'aimerais lancer, c'est de bien gérer les dons que nous avons, leur avons donnés, que ce don ne se retrouve pas sur le marché, mais que cela serve effectivement les familles qui sont dans la souffrance. Ce geste humanitaire de la MFLM, qui intervient après le recensement des besoins urgents des ménages, est salué par les autorités de la commune rurale de Téné et les bénéficiaires. C'est une très bonne chose, d'autant plus que le besoin est déjà là. Cet appui est vraiment tombé au bon moment. On tient à vous remercier et à remercier tous vos partenaires et leur dire qu'il y a une très grande masse de population qui est encore dans le besoin. Et vraiment, toute aide est vraiment la bienvenue. Nous avons quitté Konba pour Téné à cause de l'insécurité. Je salue les habitants et surtout les donateurs pour leur aide. Je souhaite que Dieu donne la force aux autorités pour sécuriser le pays pour que nous retournions chez nous. Ce don de la MFLM est composé de sacs de riz et de sucre, des bidons d'huile, des cartons de savon, des moustiquaires, des nattes, des bâches en complément d'abri et bien d'autres équipements. Une dizaine de villages de la localité de Sibi se sont engagés à abandonner la pratique des mutilations génitales féminines, le mariage des enfants. Fruit des efforts de l'Association pour la promotion des droits et du bien-être de la famille, cette action permettra d'améliorer l'état de santé des populations, notamment des femmes et des filles victimes de ces pratiques. La cérémonie s'est tenue à Sibi, dans le cercle de Kati. Compte rendu, Amadou Diarra. Par cette signature, 9 villages s'engagent à abandonner le mariage d'enfants et 2 villages les mutilations génitales féminines.
des pratiques qui affectent la santé et les droits de la femme, de l'enfant, de la famille, voire de la communauté. Et cela grâce aux efforts de l'Association pour la promotion des droits et du bien-être de la famille, APSEF. C'est en 2020 que l'APSEF, sur l'appui de l'UNICEF, à travers l'initiative Spotlight, a commencé à intervenir dans 21 villages que compte la commune et dans les communes de Sobra et Numamankano. En 3 ans, les efforts des uns et des autres ont permis de promouvoir la santé de la reproduction en améliorant l'accès aux services. Ils ont aussi permis de respecter davantage les droits de l'enfant, d'amener les communautés à renoncer aux pratiques de l'excision et du mariage des enfants. Présent à cette cérémonie de déclaration publique d'abandon des pratiques de mutilation génitale féminine et du mariage des enfants, le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille a exhorté ces villages à la vigilance quant à la pérennisation de cette décision d'abandon. La cérémonie solennelle nous donne encore l'occasion de remercier le staff de l'ONG APSEF, ses collaborateurs locaux et communautaires pour ces résultats tangibles. Les nombreux succès enregistrés dans les différentes zones sur cette thématique très sensible témoignent de la qualité des approches utilisées, notamment le savoir-faire et le savoir-être des agents déployés sur le terrain par l'ONG APSEF. Organisée par APSEF, cette cérémonie de déclaration publique d'abandon des pratiques de mutilation génitale féminine et du mariage des enfants par des communautés à Sibi a été marqué par des sketchs de sensibilisation d'abandon des pratiques de mutilation génitale féminine et du mariage précoce. À Mopti, l'Association pour l'appui aux populations rurales du Mali a procédé au lancement de sa campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes et des adultes déscolarisés ou non scolarisés sur les avantages de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'était ce mercredi 20 décembre sur le terrain Amboudédio de Sévaré. Moussa Traoré, Soumaïla Aya pour les détails. L'objectif visé par cette campagne de sensibilisation est de créer un environnement régional propice à la promotion de l'éducation non formelle et à une meilleure collaboration entre les acteurs de la société civile active dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet partenariat de la société civile pour un plaidoyer en faveur de l'éducation non formelle au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Selon les organisateurs, la stratégie d'intervention repose sur le développement et la redynamisation des partenariats, le renforcement des capacités des acteurs. L'éducation non formelle, il faut le dire, c'est le parent pauvre du système éducatif malien. À peine 1% du budget est alloué. Nous voulons qu'il y ait un changement. Et c'est pourquoi nous faisons ce plaidoyer en faveur des plus hautes autorités du Mali, afin qu'on atteigne 7% du budget alloué à l'éducation non formelle. Cette initiative de l'apport Mali a été appréciée à sa juste valeur par les autorités scolaires de la région de Mopti. Donc, nous apprécions donc les partenaires qui ont voulu accompagner l'État à travers l'éducation nationale et précisément l'Académie d'enseignement de Mopti, donc pour accompagner la communauté et à mieux comprendre l'importance de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Vu l'importance de l'approche, les autorités régionales encouragent la promotion de l'égalité des chances par la formation et les compétences acquises par le biais de l'éducation non formelle. L'objectif principal de ce projet est de créer un environnement sous-régional favorable à la promotion de l'éducation non formelle et propice à une meilleure collaboration entre les gouvernants et la société civile à travers la valorisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'activité a été rendue possible grâce à un financement triennal du Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre par le consortium composé de Grat Africa au Niger, de l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle au Burkina Faso, de l'Association pour l'appui aux populations rurales du Mali à Port Mali et l'ONG Université Population du Tchad.
Fin de cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. L'homme qui fuit la vérité est un homme faible qui préfère l'obscurité. Proverbe africain, bonsoir.